That's the other side of the internet scams. A big part of them come from Côte d'Ivoire, where the con men celebrate their feats without any complex. That's becoming huge. In Belgium, Luc devotes himself entirely to a fight against those con men. He just pretends to be a potential victim, to annoy them as much as he can. He has been threatened many times and he prefers not to show his face. Ce sont toutes des arnaques. Total. Donc c'est le temps que moi je m'amuse avec lui, que je fais des échanges d'emails, etc. Il ne va pas arnaquer quelqu'un d'autre. Donc c'est moi, j'attire à moi la victime. L'arnaqueur, c'est à moi. Je me l'attire à moi. Et voilà, et on s'amuse à répondre avec eux, on s'amuse à jouer. On joue. Jusqu'au moment où ils nous demandent de l'argent. Et alors à ce moment-là, vous arrêtez simplement? Non, on continue, on les ennuie, on cherche, on trouve toujours des subterfuges. Hein. On leur dit, je ne sais pas moi, que je vais tomber de vélo, que je ne sais pas venir payer aujourd'hui, je payerai demain. Demain, il y a de la neige à la porte, on ne sait pas y aller parce qu'il neige. La banque a fermé. Et on arrive toujours à les faire courir. Le but est de les faire courir. On donne par exemple aussi rendez-vous à l'aéroport d'Abidjan, par exemple. Ils arrivent à l'aéroport, ils nous attendent et on n'est pas là. Donc on les fait perdre le temps. Sur ce temps, ils ne sont pas en train d'arnaquer. Combien d'heures par jour vous passez En général, c'est 7 heures le matin. Je me lève, je m'achète mon ordinateur et je vais me coucher vers minuit, 1 heure du matin. Et vous passez votre journée à ça? Je passe ma journée à ça, en grande partie. Mais il y a des possibilités pour entrer dans sa boîte email. Sa boîte email, c'est son trésor, c'est ça, c'est son bureau. Si on arrive à avoir sa boîte email, on a tout. Ouais. Il y a par exemple ce genre de documents-là. On a des sceaux, des cartes d'identité, etc. On en a d'autres, hein, attendez les documents. Voilà, ce genre de documents-là qu'on retrouve chez eux, dans leur boîte. Et si moi j'arrive à bloquer la boîte email, ben ce document-là, ils ne l'ont plus. N'importe quel livre d'or, c'est au départ de là qu'ils vont rechercher. En fait, c'est tout simple. Hein. Je fais une copie, copier. Je vais dans l'email extractor. Je le colle ici. Et je laisse travailler. Et j'ai toutes les adresses email qui viennent s'afficher. Il suffit de recopier toutes ces adresses email, vous les mettez dans votre adresse Hotmail ou bien dans l'adresse Gmail, vous pouvez envoyer à tous ces gens, vous pouvez envoyer une lettre. C'est comme ça qu'ils procèdent en fait, hein, avec des extracteurs d'adresses email. Luke plays with his conman, I play with Gary. Little by little, thanks to your help, I'm getting precious clues that I will share with you in the next episode.